Apprenez-en plus sur le projet inoculation. Ouais. Oh, bon, bah comment on fait? L'objet inoculation, c'est pas compliqué. Inoculation, Terra, c'est quoi déjà de base? Ça veut dire quoi? Inoculer, c'est insérer à quelqu'un. C'est pas un truc avec des virus? Est-ce qu'on peut inoculer quelqu'un? Avec son consentement. Est-ce que je peux m'inoculer? Est-ce que Il je peux faudrait t'inoculer? une bite sacrément longue pour s'inoculer soi-même. Va te faire inoculer. Ah, tu dois créer ton perso aussi? Ouais. Maquillage? Mais je veux tout ça. Je veux du fard à joues. Je veux du crayon à Attends. lèvres. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Je suis en train de créer une drag queen. C'est magnifique, je suis un pélican. On peut faire Alors. Master Batman. Bonsoir. Oh, je suis superbe. Je suis vraiment la plus belle de tout le bunker là. Je m'appelle Enzo. Enzo? Ouais, franchement, il a une tête à s'appeler Enzo, mon personnage. Tu veux que je m'appelle Kylian? Oh, on peut faire sa photo d'identité? Ah ouais, un peu en bi en mode fashion victime. Mais c'est génial! Comment ça se fait qu'on peut faire tout ça? Là, on dirait que je suis en train de faire une émission Next et que je suis en train de me présenter. Moi, c'est Enzo. J'adore le billard, je vais avec le cœur des filles et j'ai un énorme sexe. Moi, je sors du bunker, hein. Ok. Attends. Je m'y attendais pas! Quand tu sors du bunker, il y a la photo que t'as prise. Alors, je sais pas ce que t'as pris comme photo, mais moi, je m'y attendais pas. Mais t'es dégoûtant! Je t'aurais appelé Roberto! Hein? Attends, mais toi, t'es malade? Regarde-moi de profil. Oh non! Tu ressembles à tu Jim Carrey quand il dans les enfants de Baudelaire. Côte de chien. Mais je prends. On va bouffer du chien? Attends, j'ai dit ça comme ça moi. Bah oui, tu peux bouffer du chien. Tu peux bouffer ça fait chier. Tu peux bouffer de tout, même de la viande irradiée. Pourquoi t'as un petit chapeau de fête? Parce que c'est la fête. Un cabou errant. Oui, mais là, ils attaquent en bande. Ya ya. Waouh, ouais, d'accord, je les avais pas tous vus. Ah, Damien. Je ne peux pas chasser correctement. Y'a combien d'animaux? Y'a combien de... C'est quoi? C'est un zorro? C'est un partout, opossum, ça? Ça, c'est un opossum. Oh, c'est... Tu tournes ta cuillère. Alors, attention. Hop, hop, là, t'embouille. Nourriture. Ah, des bouchées d'écureuil croustillantes. Eh ben voilà, des bouchées. C'est parti. Aujourd'hui, les enfants, c'est des petites bouchées à l'écureuil. Bah, t'as mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai mangé des bouchées d'écureuil. Ah non, ça m'a foutu des radiations, cette connerie. T'as fait quoi? J'ai bouffé des bouchées d'écureuil cuisinées, pourtant, avec amour, et ben, hop, irradié. Mais c'est pas une grenouille, ça, je suis désolé. J'ai déjà vu des grenouilles, hein. Il y avait un parc à côté de chez moi. Eh, moi je sais ce que c'est qu'une grenouille, hein. C'est pas une grenouille ce truc là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais elle est électrique en plus. Oh, tu mets deux fils dans son cul et tu peux alimenter un village. J'active l'imprimante. C'est une imprimante. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'active l'imprimante. J'imprime mes factures. J'envoie à mon comptable. Ah, Thomas, je suis sur ordinateur là, je vais imprimer la facture de l'OP. Alors? Alors, combien ça fait? Je mets combien de zéros? J'envoie à Bethesda, c'est parti. Putain, pâté pour chien. Tu savais que c'est assez impressionnant dans le monde, la pâté pour chien, elle est achetée pour l'usage humain, c'est une sur trois, je crois, ou un truc comme ça? Non. Si, si. C'est que c'est beaucoup moins cher que d'acheter de la bouffe normale, quoi. Bah ouais, je vois, mais faites pas ça. Enfin, si, en fait. Faites pas ça, genre les mecs, ils ont le choix, c'est. Les gars, faites pas ça, quoi, putain. Je vais le dénoncer sur Twitter. Il paraît qu'il y a des gens qui achètent ça. Non, mais vous êtes sérieux. OMG. Waouh, cuisiner un faux filet. Est-ce que c'est la quête principale? Trouver des bonnes petites épices. Faites un bon petit plat, dont vous serez fiers. Attendez, bougez pas les vaches. C'est avec ça que tu vas faire ton beau faux filet. Ah oui, il y a des vaches ici. Pareil, hein, elles ont deux têtes. Oh, je vais te faire... Tu vas être tendre. Je vais te masser et on te tuer à bœuf de Kobe. Mmh. Oh, tu donnes faim. T'en as déjà mangé? Roddy Kobe. T'en as jamais mangé? Une fois. Redis-le. Mais t'en as jamais mangé, ça sert à rien, pas de donner faim. Si, si j'en mange tout le temps, redis-le. 600 euros le gramme. J'adore. Redis-le, vas-y, ouais. J'en mange tous les jours. Je connais bien ça, le Bob Kobe. Connexion. 2048. Examiner l'aéroport de Morgantown. On se barre? Quoi, on se barre? Je crois qu'on se barre. Alors, examiner l'aéroport, récupérer la cargaison. Du coup, on va à l'aéroport. À l'aéroport? Et où l'aéroport? Aéroport? Non, non, non. Aéroport. Avouez que c'est quand même plus facile de dire aéroport que aéroport. Pourquoi on a dit aéroport? C'est chiant. Pourquoi on dit pas arien au lieu de aérien? Hein? C'est là, je m'y attendais pas. L'objectif, il doit être là-bas, quelque part. Attends, la carte. Parce que je regarde la carte et je cherche un aéroport. Un aéroport. Mais je sais pas où il est. Alors là, c'est quoi ici? Ah, il est là. Examinez l'aéroport de Morgantown. Tu chantes bien, Damien.
Merci. C'était le générique. T'as jamais pensé à chanter? J'ai chanté quand j'étais petit, mais j'ai arrêté pour faire humoriste. Franchement, vraiment lourd ton petit début là, ta petite vocalise. Ma préférée, c'est Cœur de Pirate. J'adore les chanteurs français. C'est vrai que j'ai toujours mon petit chapeau de fête, jamais retiré. Mais la vie est une fête. Mais oui. Même après l'apocalypse. C'est Patrick Sébastien qui disait ça dans son recueil. Est-ce que vous connaissez Patrick Sébastien? C'est obligé. Vous connaissez Patrick bien Sébastien que oui, c'est une base. Non mais mec, la dernière fois quand il y a des gens qui me disaient qu'ils connaissaient pas Question pour un champion, tu peux te poser des questions. Qui a dit ça? Non, pas Question pour un champion, qui veut gagner des millions, pardon. C'est comme les gens qui me disent qu'ils connaissaient pas le Big Deal, tu vois, je suis là en mode what? Les gens qui vont pas connaître Patoche en vrai, je sais pas ce qu'ils vont devenir. Bah, le problème, c'est qu'ils pourront pas faire la fête. C'est le monde sera en dépression parce qu'en fait, ils auront oublié Patoche. Tiens, je t'échange de... Non, j'ai pas trop... Attends, je t'échange... Attends accepte le deal. Putain, mais tes deals de merde, je les connais. Tu vas me proposer un bout de bois contre une arme. Attends, regarde. Je te vends ce bol pour seulement 700 euros. C'est un bol en argent. Très comment peu servi. Bol de merde. Quasi neuf. Bah, je t'ai fait une offre, là. Je suis allé dessus, il est dégueulasse. 700? Oui. Acceptes-tu mon offre? Non, il est sale. Non, par contre, j'ai un super plan. J'aimerais te l'expliquer accroupi derrière un tronc d'arbre. J'ai une mine à fragmentation et des gens ont établi leur maison ici. Si on trouve leur porte d'entrée et qu'on pose une mine dans leur porte, ça peut être drôle. Ok, vas-y. Allez, je prends ma mine et on y va. Mais t'es sûr qu'ils sont là, moi leur... C'est une maison qu'ils ont faite, ça? Elle est ouf et ils sont dedans. Mais c'est une villa, c'est pas une maison. T'es sûr qu'ils sont dedans? Je les ai vus tout à l'heure, il y a une minute ou trois. C'était peut-être à la session précédente. Dépêche-toi, ils vont peut-être bientôt revenir. Mais... Oh merde! Elle explose directement! Qu'est-ce qu'il est con! J'ai dû marcher dessus. Le mec il a posé pour vérifier qu'elle marche, il met son pied dessus. Attends, j'ai plus d'endurance parce que mon perso est faible. Beau mais faible. Faut toujours préciser que t'es beau quand même. Je suis magnifique. Que les gens se fassent pas d'idées. Les mines de Gaulet. Quel nom magnifique. Les quoi? Les mines de Gaulet. De la bonne purée. Attends, tu parles dans la vraie vie là? Et un peu de pâté pour chien. Ah non. D'accord. Du coup, non. Là, la pâté, j'étais convaincu que c'était pas ça. Ah bah y'a un joueur là. Moi j'ai 2 HP, je cherche pas la merde. T'es en train de le faire là? Ah non, c'est lui qui tire. Allez, j'essaye. J'ai combien de chance? Oh putain, je l'ai eu je crois. Enfin, je l'ai eu. J'arrive pas à le viser, attends. J'ai pas assez de chance. J'ai pas assez de chance. Je manque de chance. Attends, j'attends d'avoir une meilleure chance. Touché. Touché. Viens Thomas. J'ai HP. Il est où? Il est là. Il te loot. Tue-le. Je l'ai tué. Voilà. Voilà, je vais t'apprendre à être pacifiste et à pas nous tirer dessus en premier. La belle morale. Oh, j'ai tout son loot. Non, non, ne prends pas tout, vraiment. Oh, mais c'était trop tard. Mais t'es sérieux? Non, mais regarde, mais c'est là-dedans, là. J'ai perdu ma vie pour ce stuff. Ok, moi, je vais me cacher. Ah, non, il m'a vu. Je crois qu'il est en colère parce qu'on l'a tiré dessus. Ils sont deux. Ils sont deux, ce sont des amis. Ce sont des amis. Ah non, ils m'ont tué. Ah non, ils s'adorent. Il y a une alarme. Qu'est-ce qui va se passer? J'entends une alarme atomique. Ça se trouve, c'est... Tu vois, c'est Bethesda, ils se sont dit, bon, vas-y, ça lag. Allez, on fait péter la bombe nucléaire. Ouais, ça fait chier. Affiche la main pour voir où ça tombe. Oh putain, on est dedans. On est dans la zone où ça va péter. Faut sortir de la zone, on est juste au bord. Ah, mais c'est ça. Moi, je pensais que c'était la zone pour la mission. Non, je crois que c'est la zone qui va péter. Mais non, regarde. C'est une zone qui dit écouter la radio. Quand tu te mets dessus, ça fait écouter la radio. Je crois que c'est une intox. Après, moi, j'adorerais qu'on se fasse exploser la gueule par une bombe nucléaire. Pareil. Ça, y'a pas de problème. Ah, du coup, y'a pas de... Ça va pas péter, du coup. Je crois pas. Vous êtes des cons. Ok, du coup, le monteur, est-ce que tu pourras mettre une belle explosion comme ça? Genre, on regarde au loin et là, ça explose. Waouh. Wow. Ouais, parce que vu qu'on s'est bien hypé, ça aurait pu faire une super séquence. Donc, tu gardes la hype, tu mets juste une fausse explosion et après, c'est bon. Choubidoubidou, awa. Je m'appelle Angela. Oh là là. Choubidoubidou, awa. Yes! Si je reste assez longtemps, ça donne un bonus d'effet, ça va me relaxer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de branler, ce connard? Salut! Tu veux jouer un morceau? Oh ma vie! Oh ma vie, ma vie, Blue! Oh ma vie, Blue! Tu me vois là? Oui, oui, je te vois. Allez, tout le monde s'enjoie! Ta musique, elle est comme ça! Yes! Merci, public! Je crois que ma copine a fait quelque chose à manger et j'ai bien envie d'aller voir ce que c'est. De toute façon, il est pas... ça va être l'heure de manger, hein. Il est minuit. Ouais, ouais, moi je vais. Attends. Tu sais, moi je viens de lâcher une grosse caisse. Ah, il est parti, il saura jamais. Bon, bah, j'ai oublié ce que je viens de dire. Je m'en poulet avec du riz. Ah, Terracide a pété. Tout le monde est très content de prévenir que t'as pété. C'est très mignon, mais. Vous êtes vraiment des gamins, quoi, en fait. Terracide, il a pété. Vous êtes vraiment des gamins, en fait.
Là, que le terrassé, il va péter. Oh putain, vous êtes grave. Oh merde. Oh, c'est quoi ça? C'est des super mutants. On dirait que je suis un enfant, mais on dirait que je suis un enfant, ils s'appellent comme ça vraiment. Attention, des grands dragons magiques. T'es un gros con, et quand tu vas les voir, tu vas te chier dessus. Ouah, les super mutants. Voilà, c'est de con. Pam, j'ai tué tous les super mutants de la région. Oh, j'ai un fragment de code du silo. J'ai un fragment du code pour la bombe nucléaire. Mais mec, c'est incroyable. Bah bravo Terra, ça montre un avenir radieux où tu vas peut-être faire exploser la planète. Et moi je fais un travelling avec le drapeau américain qui flotte en l'air. Peut-être qu'on trouvera des codes nucléaires pour faire enfin exploser ce pays. Et tout terminé. Vive les États-Unis d'Amérique. Et voilà. C'est comme dans le film, tu sais, San Andreas. À la fin, c'est The Caillou, là. Il est face à San Francisco qui est complètement détruit de partout, tu vois, à cause des catastrophes. Il contemple la destruction et là, sa femme, elle fait qu'est-ce qu'on va faire? Et The Rock, il regarde l'horizon, il fait on va reconstruire. Et là, il y a le drapeau américain qui tombe pour se déployer. Et je fais mais c'est tellement nul comme punchline. Genre, on va reconstruire, genre, c'est pas héroïque du tout. On va aller acheter du ciment et des truelles.